Ah bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en hein, ce mardi, jour de Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin à tous les amoureux. 14 février 2023, 7h49, heure du Québec. J'espère que vous allez bien parce que, waouh, quel bordel! Quel chaos! Tout ça, ça se passe aux États-Unis, mais on le sait. Entre vous et moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faites le maintenant. Merci à tous ceux aussi qui m'envoient des messages. J'en ai tellement et tellement tous pertinents. Les États-Unis demeurent la puissance mondiale, demeurent le pays le plus influent, encore une fois, le pays avec la plus grosse économie. Que tu les aimes ou non, ce n'est pas vraiment important parce que les chiffres sont là. Il faut toujours que tu ait un pays dans le monde dans lequel on vit, puis ça remonte à il y a longtemps. Tu peux avoir l'Empire romain, l'Empire des Égyptiens, l'Empire de d'autres grands empires africains. Il y a toujours, que ce soit l'Empire éthiopien, les Mayas, il y a toujours des pays, des nations, des tribus qui dominent les autres. Que tu que aimes ça ou pas, c'est dans la nature humaine. Ça s'est passé en Amérique avec les Indiens d'Amérique qui étaient toujours en conflit les uns contre les autres. Puis après ça, en Europe, on a vu le colonialisme, on a vu les Européens, euh, naturellement, euh, aller envahir, conquérir d'autres pays dans sur d'autres continents. On l'a vu dans, sur d'autres continents, en Afrique, la même chose, quand un, un pays devient une dynastie, un empire, qu'il soit de quelque de, origine que ce soit, va conquérir les autres. Quand les États-Unis ont été formés, ben, ça n'a pas été long que eux aussi, c'est devenu une puissance naturellement, la puissance, et ils se sont mis à dominer le monde et à conquérir eux aussi pour faire concurrence aux Européens qui naturellement étant la vieille terre, eux avaient déjà leurs tentacules bien installés partout. On a vu la Russie faire pareil, on a vu l'Allemagne faire pareil. Il n'y a pas d'exception. Juste important de le comprendre. C'est pas typique aux Américains <laughs> ou aux Français ou aux Allemands. C'est de tout puits, toujours et pour toujours. Ça va être, toujours être comme ça. Bon, en ce moment, c'est encore les États-Unis, mais qui commencent à, à perdre un peu de plume, on pense, euh, face à la Chine, qui est devenue une superpuissance grâce à nous. C'est nous qui les avons amenés, surtout sous euh, Bill Clinton, quand il les a euh, amenés dans le commerce international mondial. Puis on a vu la suite, après ça, toutes nos entreprises, ça, tous nos gouvernements, tous nos politiciens ont tous laissé aller faire ça pendant des décennies. Nos grandes entreprises qui sauvaient de l'argent en allant s'installer en Chine, en s'acoquinant avec le gouvernement communiste chinois. Puis là, soudainement, ces mêmes politiciens-là essaient de te convaincre que, mon Dieu, on veut ramener, c'est horrible ce qui s'est passé, puis on veut ramener de le secteur manufacturier. c'est tout ce même monde-là qui ont tous laissé faire ça. Une chose, même si on est... Que le petit peuple ignorant, une chose qu'on a apprise, c'est que tu ne peux pas faire confiance à un politicien. Un politicien, c'est un menteur professionnel habillé en complet cravate ou en tailleur pour une femme, ou même complet cravate peut-être pour une femme aussi, je ne sais pas. Là. Mais c'est ça. Un politicien, c'est une prostituée de l'opinion publique qui est prêt à faire n'importe quoi pour avoir un vote pour être élu. C'est rien de plus que ça. Un politicien, ça ne crée aucun emploi. Un politicien est responsable d'aucun succès d'un pays ou d'une société. C'est les communautés, c'est le monde ordinaire qui fabrique tout ça. C'est les investisseurs, c'est les créateurs qui créent les emplois, les entreprises, les idées. Puis les gouvernements sont là des structures des fois pour les aider, ou aider juste des amis, ou pas juste des amis, je ne sais pas, ça non plus. Mais le politicien, lui, est là, pour prendre le crédit de ça, puis prendre des photos de famille avec des enfants, des familles, pendant la campagne électorale. Les politiciens sont des bons à rien, la plupart du temps incapables de quoi que ce soit. Le plus bel exemple, c'est le premier ministre du Québec, François Legault, qu'on présente comme un homme d'affaires. C'est un bureaucrate comme toutes les autres qui a eu la chance d'être au bon moment au bon endroit puis les bonnes connexions pour que la caisse de dépôt lui prête de l'argent parce que c'était un tout-nu pour acheter une compagnie en faillite québécaire, parce qu'il aurait jamais eu les moyens puis c'est pas lui qui a fait que c'est devenu un succès c'est tous ceux qui ont travaillé autour de lui mais comme c'est un politicien de nature puis un bureaucrate de nature lui a pris le crédit puis a pris le profit puis il a tout vendu ça, puis il a empoché l'argent, puis c'est les Québécois qui ont tout financé ça. Il n'y a pas un politicien qui est bon à quoi que ce soit. C'est tout des pas bons. D'ailleurs, c'est pour ça que vous l'aimiez ou non, que Donald Trump, on l'a attaqué et sali, parce que lui, ce n'est pas un politicien, c'est un homme d'affaires qui est venu faire de la politique, puis qui a dit, je vais aller montrer aux politiciens comment ça marche. Et ça, ça les a fait suer. Parce qu'il a exposé que c'est des incapables. Je te donne un exemple, on prend juste un exemple, je ne veux pas m'allonger là-dessus. L'ambassade américaine. Écoute ça, c'est important, là, pour juste te démontrer comment il est venu faire les choses, lui. L'ambassade américaine à Israël, OK, était à Tel Aviv. Parce qu'on n'a pas voulu offusquer, par exemple, des Palestiniens. On a dit, on va mettre ça à Tel Aviv. Alors que la capitale historique de ces gens-là, hein, ce peuple d'Israël, comme on l'appelle, c'est Jérusalem, depuis 5-6 000 ans. Tous les politiciens qui sont passés à la Maison-Blanche, en commençant par Bush, le père, le fils, Bill Clinton, puis je pense que même Barack Obama en avait parlé, pour plaire à la communauté juive qui est très puissante dans le monde des affaires, puis de la politique américaine, ont dit on va... Dire, on va mon intention est de déménager <laughs> l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Puis, ça, ils ne l'ont jamais fait, c'était juste des paroles. Personne n'a jamais eu le courage parce qu'on venait leur dire, chuchoter à l'oreille Ouais, mais là, vous allez offusquer les Palestiniens, faites pas ça, vous allez semer le trouble, vous allez lancer une guerre, une, vous allez euh, incendier la poudrière. Donc, comme tous les politiciens sont pareils. Manque de courage par les politiciens de carrière. Ça ne s'est jamais fait. Donald Trump, lui, a dit Moi, je déménage l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Ils lui ont tous chuchoté à l'oreille, mais faites pas ça. Vous avez... Il a dit Ah ouais, OK. <laughs> Il n'a pas attendu que le bail soit fini. Il a dit, OK. Il n'a même pas attendu que ça soit fini, la construction. Il a dit, OK, on déménage tout de suite. Ça va les faire suivre. Bien, on y va. Bang. Lui, ça lui a pris un an et demi. Et ça s'est fait. Les Palestiniens, naturellement, ont ben, les dirigeants puis les écervelés, les, les parce que la majorité des Palestiniens veulent vivre en paix avec les Juifs. Pis tout le monde veut vivre. Le monde ordinaire veut vivre en paix avec tout le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a juste les écervelés, il y a juste les partisans, les effrénés, hein, qui sont des. Euh, qui sont alimentés par le gaz de la partisanerie qui créent du chaos, ou les politiciens qui utilisent ça pour servir leurs euh, intérêts politiques, mais le monde ordinaire, que tu... moi j'ai voyagé, vous avez voyagé, tout le monde veut vivre en paix, tout le monde accepte tout le monde. Le monde ordinaire, le troupeau de moutons qu'on est, nous autres, nous autres on vit en paix, on vit vivre en paix avec tout le monde, puis on n'a rien contre qui que ce soit. C'est juste des activistes qui ont des intérêts qui créent du chaos, puis les politiciens qui profitent de... Donc, tu as eu une petite crisette des Palestiniens, mais... L'ambassade est là. Y a quelqu'un qui. a tu vu une poudrière, puis une guerre à cause de ça? Non. Donc, Donald Trump lui a dit, moi, je le fais. puis ça s'est fait. Parce que ce pas un politicien. Lui, il n'en avait rien à faire de toutes les histoires politiques. Maintenant, là, on vit dans un monde vraiment chaotique en ce moment, c'est le chaos total. Et là, il y a des choses qui se passent. Vous avez entendu comme moi, je n'en ai pas parlé, mais je n'ai parlé sur d'autres plateformes. De tous ces événements, ça a commencé avec le ballon chinois. Ben, on a commencé avec un ballon chinois la semaine dernière qui survolait les euh, États-Unis, le Montana. Des, tout le monde l'a vu, les gens l'ont vu, ben c'était tellement gros. Puis là, on a appris que le Pentagone le savait déjà, mais le gouvernement n'en parlait pas. Il savait que ça avait été lancé depuis la Chine, depuis longtemps, une couple de mois, puis qu'il avait déjà survolé une cinquantaine de pays pour collecter des informations. Crucial militaire euh, sur des sites nucléaires, des rampes de lancement, et que le Pentagone a suivi ce ballon-là, puis est arrivé aux États-Unis, puis on ont laissé ce ballon-là se promener au-dessus des sites militaires, les rampes de lancement. Puis là, le, la, le monde a vu ça, ils ont filmé ça, c'est devenu viral. La pression est devenue tellement énorme que le gouvernement Biden, Biden a donné l'ordre de l'abattre, mais pas au-dessus des États-Unis. Ils l'ont abattu quand il s'en retournait, qui était au-dessus de l'Atlantique, puis ils n'ont même pas récupéré. En tout cas, jusqu'à présent, il n'y a personne qui est allé récupérer les débris de ça. Là, après ça, succession d'événements encore plus étranges, parce que le ballon, tu le voyais. Mais là, il y a eu quatre autres événements. Vous les avez entendus, ces événements-là. Puis là, ce pas des ballons. Il y en a un qui a été comparé à. Était, on nous dit, la grosseur d'une voiture. Après ça, il y en a eu un autre qui était abattu au-dessus du Canada, un objet métallique en forme de tic-tac, qui était abattu sous l'ordre de... Justin Trudeau, et un autre qui a été abattu au-dessus du lac Huron, qui était en forme octogonale. Et ces objets-là, naturellement, le public ne les a pas vus, ne les a pas détectés. Ce n'était pas comme le gros ballon chinois. Qu'est-ce que c'est? Tout ça, une frénésie autour de ça. On ne parle plus de rien d'autre. Naturellement, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être. Ils disent qu'ils font pas. Euh, qu'ils n'enlèvent rien sur la table, ça pourrait être d'origine extraterrestre, peut-être, on ne sait pas. Ou des ennemis. Puis là, il y a tellement de spéculations parce que naturellement, tu n'as aucune information. Ils ont tout été abattus, puis il n'y a personne qui allé récupérer les débris encore, qu'on nous dit. OK? Mais aux États-Unis, en ce moment, il y a des histoires hallucinantes qui se produisent et qui se passent. Il y a eu un déversement incroyable. Puis là, la Société Press. « Nous rapporte tout ce qui se passe en ce moment, » dit, « des rumeurs circulent sur les fameux ballons et les ovnis, alors que les officiels, les officiels restent muets. » Peut-être qu'ils venaient de Chine, peut-être de quelque part de plus loin, beaucoup plus loin. « L'abattage de quatre appareils aériens par des avions de combat américains a déclenché une désinformation. » Ah! Une désinformation généralisée sur les objets, leur origine et leur objectif, montrant à quel point des événements mondiaux complexes et un manque d'informations peuvent rapidement créer les conditions idéales pour des conjonctures et des informations incontrôlées. Ah oui, incontrôlées, on va aller voir ça. La présence d'objets mystérieux haut dans le ciel n'aide pas. Il y aura une enquête et blablabla bla bla et blablabla. Bla bla. Bon. Maintenant, là, ce qu'on. Regarde ce qu'ils veulent dire. Là, il dit la désinformation. Ah oui, quelle est. Lundi, de nombreux sites de médias aux États Unis ont déclaré ont éclairé des théories selon lesquelles Biden avait déployé les dispositifs aériens comme moyen de distraire les Américains d'autres problèmes plus urgents. Ses préoccupations comprenaient par exemple, on le sait, l'immigration complètement incontrôlée, ça rentre par millions par année maintenant, l'inflation, le conflit en Ukraine, et les enquêtes aussi sur son fils Hunter Biden, et lui-même avec ses documents classifiés qu'il avait un petit peu partout éparpillés. Et là, on nous dit, sur des sites marginaux populaires d'extrême droite, les rumeurs et les théories du complot infondé ont également fait leur apparition sur les plus grandes plateformes comme Twitter et Facebook. L'une des théories les plus populaires sur Jacques, la Maison-Blanche et le Pentagone utilisent les dispositifs aéroportés pour détourner l'attention d'un déversement de produits chimiques au début du mois dans l'Ohio. Et c'est vrai qu'il y a eu un déraillement de train avec un événement majeur, qu on va aller le voir, qui est très... Très, C'est une crise environnementale, puis un, peut-être un, une possibilité d'empoisonnement. Donc, là, ils disent que ça, c'est... Regarde, c'est ça, est, est ça qui est très, très euh, néfaste des médias. Ils disent déclencher une désinformation généralisée. Ben, c'est parce que ce C'est pas, pas une désinformation. Tout ce qui se passe, l'inflation, la crise de l'immigration, les enquêtes sur Hunter Biden. Le conflit en Europe, c'est pas de la désinformation cela, c'est tout des événements qui existent. Mais pour eux autres, la désinformation, c'est que tu prétendes que des politiciens oseraient jamais te mentir, puis oseraient jamais utiliser ces événements-là ou créer ces événements-là pour divertir et te détourner ton attention. <laughs> ah, c'est assez, c'est assez malhonnête de la part de ces grands sites d'information-là. Il n'y a personne qui en a parlé du. aucun, aucun grand, aucune grande chaîne d'information, dont la l'Associated Press, qui vient juste d'en parler maintenant sur une petite ligne, ont fait référence à, cette, à ce déversement, cet accident en Ohio. Ni CNN, ni aucun site de nouvelles. C'est bizarre, ça. On vient juste de l'apprendre maintenant. Et Tucker Carlson hier en a parlé et on a des images hallucinantes, j'ai des images à vous partager. Maintenant, on va aller voir ça. Donc, c'est pas nouveau que les politiciens utilisent des événements pour détourner l'attention. Puis les médias sont complices là-dedans. C'est assez c'est spectaculaire comment c'est tellement tellement malhonnête comme la fameuse histoire d'Hunter Biden et son portable pendant la campagne électorale, tous les médias ont dit que c'était de la désinformation russe. Puis là, ils sont tous obligés d'admettre que, wow, non, c'était vrai, ça, il existait vraiment ce portable-là. Quel culot, ça prend du culot. Wow! quel culot. On va aller voir ça. Hein, ce qui s'est passé euh, avec le déversement. Je vais trouver l'image tout de suite, là, le... ce dont il est question. After 30 days... C'est juste un petit peu plus loin. Donc, c'est les mêmes politiciens qui sont allés saboter, puis toutes les, toutes les preuves sont là maintenant, puis l'an et qui sont allés saboter le fameux pipeline hein, dont on accusait les Russes euh, de leur auto-sabotage. Et On the other hand, this is the same administration that sabotaged the Nord Stream pipeline, the single biggest act of industrial terrorism in history. C'est le plus grand acte de sabotage environnemental de toute l'histoire provoqué par le gouvernement américain. Wow. And continues to lie about it. Et continue à mentir. So on the other hand, maybe it's not true. NORAD says the US has just readjusted its radar filter, so all of a sudden we're seeing all these objects in the sky we didn't was, of course we don't. Of of including vinyl chloride, which donc des, ce, ce 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 déraillement de train qui s'est produit, il y avait au moins 50 voitures de ce train-là qui transportaient des produits hautement toxiques et donc certains qui sont hautement cancéreux. On va aller voir. Euh, on, va, on on va juste attendre un petit instant. Ça, c'est dans ce qu'on appelle la, la ville de la Palestine Est. Là, ça n'a rien à voir avec le Moyen-Orient. C'est en Ohio. Donc, on a fait une explosion contrôlée parce que toutes ces voitures de train-là étaient déraillées et c'était hautement dangereux et c'était déjà il y avait eu déjà un début d'incendie on a décidé au niveau des autorités de déclencher une explosion contrôlée de tous ces produits toxiques et regardez ce que ça a donné comme image le champignon cancérigène toxique au-dessus de cette région là c'est hallucinant on cars obligé d'évacuer des milliers de personnes. The around, the a the train derailed in the rural Ohio community, sparking a massive fire. Donc car le train a déraillé il y a eu un, un feu massif et c'est quelques jours après que les autorités de, du ministère de l'environnement ont décidé de control cette, cette, euh, catastrophe en déclenchant une explosion contrôlée. As the blaze continued to burn through the weekend, concerns quickly escalated. That's because five of the train cars carried the chemical vinyl chloride, an unstable material with the potential to explode, shooting deadly shrapnel up to a mile away. Donc des matériaux, du, du, des produits hautement cancérigènes et explosifs. Et on a naturellement, tout ça, ça fait que tous ces produits toxiques ont été euh, envoyés dans les airs avec cet incendie-là, cette explosion contrôlée. Il dit, on ne veut pas... Revenir puis analyser, tu sais, c'est toujours facile de jouer au gérant d'estrade, dit Tucker Carlson, mais on pense qu'ils faisaient de leur mieux dans une situation très stressante. Mais avez-vous vu ce, ce, ce nuage en forme de champignon Et ça, ça a été causé naturellement, volontairement, parce qu'on a décidé de faire exploser ça. On on veut pas jouer au gérant d'estrade, mais il dit. Ils ont peut-être raison d'avoir fait ça. Donc, ça veut dire que malgré cette décision-là, tout ces nuages, ce nuage toxique était là à se promener librement. And that toxic smoke almost immediately began killing animals Et ce, ce nuage toxique a, déja, a commencé immédiatement à tuer des animaux. Et des poissons qui sont apparus sur les berges morts instantanément. C'est comme si on avait attaqué une ville avec des produits chimiques. Donc un représentant du ministère de l'Environnement. Il lui est venu pour, pour ramener le calme dans la situation, le représentant de Biden, celui qui a été nommé par Biden. Yes, an EPA spokesman explained chemicals from the derailed train did enter the local watershed. Il dit oui, les le, tous ces produits chimiques sont entrés dans les dans les nappes phréatiques dans l'eau. And yes, they did kill fish. Et oui, ils ont tué des poissons. But The drinking water supply remains totally safe. Mais l'eau potable demeure complètement sécuritaire. The fish are dead. Les poissons sont morts, mais... Mais, and... mais. vous continuez à remplir votre, votre thermos d'eau et à, 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 à faire votre Cruise café. Everything's fine. Now we don't know if the locals in East Palestine are drinking the water tonight, but we can't. On ne sait pas si les gens là, de, de cette communauté-là boivent leur eau Intel. ce soir. The Biden administration doesn't seem too concerned about it either way. Mais l'administration Biden n'est pas trop concer concernée par ce problème-là, puis il n'y personne qui en a parlé. Et là, Tucker, il dit c'est parce qu'en Ohio, aux dernières élections, à 70 on votait pour Donald Trump. Donc, comme ce pas des voteurs démocrates, peut-être qu'on s'en contrefiche. Donc, c'est juste de démontrer comment des politiciens sont corrompus, pas dans le sens de cette histoire-là en particulier, mais en général. Et de penser qu'ils ne pourraient pas te mentir, puis utiliser des situations comme celle des objets qu'on a bas partout, volant non identifiés, pour détourner Hey, Et, le, et là, tu as l'Associated Press qui dit « Oh, là, il y a des théories de désinformation généralisées sur les objets. » Non, ce n'est pas une théorie de désinformation de penser que des politiciens corrompus, surtout ceux des États-Unis... Tu ne peux pas avoir plus corrompu que la politique aux États-Unis, même si la politique est corrompue partout. Là, mais là, c'est comme le règne de la corruption, parce qu'ils sont plus gros. Mais souvent en France, tous les politiciens sont pourris. Tu viens au Québec, tous les politiciens sont pourris. Les politiciens sont pourris parce que c'est des gens qui n'ont aucune moralité, parce qu'ils sont là pour leur propre intérêt, puis ils acceptent d'être les marionnettes d'un gouvernement plus gros. Tu comprends? Parce que peu importe qui est un politicien, L'agenda mondialiste, globaliste, puis du gouvernement mondial, il continue toujours à avancer, même si tu as quelqu'un d'extrême droite. <laughs> tu comprends? C'est complètement du n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Moi, je ne sais pas, mais il y a eu tellement, tellement, tellement euh, d'événements aux États-Unis, dont celui-là qui est d'une catastrophe, puis que personne, personne n'a vraiment euh, couvert. Puis les populations sont prises avec des produits toxiques comme ça, Wow! Mais néanmoins, toute cette histoire-là est l'histoire la plus recherchée sur Google. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel? Je ne sais pas. Mais on n'a pas fini de vivre des moments complètement fous, hallucinants. Quand tu penses que ça ne peut pas devenir plus fou, ça devient encore plus fou. Je vois.